Le chantier de l'été 2023 a principalement porté sur une nouvelle zone d'intervention, le mur de soutènement de l'ancienne infirmerie de l'abbaye, en plus de quelques finitions sur le mur de soutènement de la Roselle. Afin d'entamer la restauration de ce mur, l'équipe est intervenue sur 15 mètres linéaires. Il a d'abord fallu dévégétaliser les pieds de mur et les maçonneries des deux côtés de l'ouvrage, puis les joints altérés ont été retirés. Les éléments de maçonnerie instables, briques et moellons, ont ensuite été déposés puis stockés pour réemploi à proximité de la zone de chantier. Avant dépose, des relevés ont été faits des éléments toujours en place de ce chapeau. Le cœur de maçonnerie a alors été purgé afin de retrouver une assise stable. Puis les assises et le parement ont pu être restitués selon alignement et profil, afin de retrouver la hauteur originelle du mur. Et les joints lacunaires ont été refichés. Les bénévoles ont ensuite coulé une arase de mortier pour préparer la restitution future du chapon de briques. En parallèle de ces interventions, une équipe réduite est intervenue sur le mur de la roseraie, qui a fait l'objet d'interventions en 2021 et 2022, afin de réaliser des finitions, aérogommage, application de patine et rejointement du couronnement du mur. Les extrémités du chaperon des piliers de l'ouverture du mur d'enceinte nord-ouest ont été déposées et remontées.